On vous en parlait, l'éclipse a mobilisé des milliers de personnes et en pleine heure de pointe, ça complique davantage les déplacements. Kevin, comment ça se passe? Oui, mais au moins, la bonne nouvelle, c'est que ça s'améliore, du moins ici au centre-ville de Montréal. Vous voyez, il y a des policiers du SPVM qui gèrent la circulation afin d'améliorer la fluidité. On est au pied du pont Jacques-Cartier à Montréal, coin Papineau et La Fontaine. Il y a encore de nombreuses personnes qui quittent à pied le parc Jean-Drapeau parce que le métro est rempli. Et il y a tous ces automobilistes que vous allez bientôt voir qui veulent emprunter le pont pour retourner à la maison. Et le réseau autoroutier, okay. Sophie, est très demandé en ce moment. Dès Carinard, on me dit que c'est un véritable stationnement. L'autoroute 10 de Magog vers Montréal, il y a plusieurs secteurs où il y a des embouteillages. Sophie, c'est compliqué dans le Grand Montréal depuis ce midi aujourd'hui. Ça prenait de 90 à 120 minutes pour se rendre au centre-ville de Montréal quand on partait de Laval et de Terrebonne. Dans le réseau local, je voyais des automobilistes rouler en sens inverse. Que vous étiez au nord ou au sud de l'île de Montréal, il y avait énormément d'embouteillages. Même les stations de métro de Laval, il y avait beaucoup de personnes. Regardez maintenant ces images que j'ai filmées cet après-midi durant l'éclipse complète. Ce sont des automobilistes qui ont décidé d'immobiliser leur véhicule sur l'accotement de l'autoroute 10S à Carignan. Et on les voit débarquer pour prendre des photos avec leur téléphone cellulaire. Des gens étaient prêts à prendre des risques sur eux et sur les autres pour prendre ces photos. Mais au moins, la bonne nouvelle à cette heure-ci, c'est que ça s'améliore au centre-ville de Montréal au niveau de la circulation. Effectivement, très bonne nouvelle. Merci beaucoup, Kevin.